Bon, les amis, je viens d'arriver chez ma soeur. Elle est pas là, elle est au travail à mon beau-frère. C'est la surprise, elle est arrivée. Je suis trop contente, j'ai reçu un message. Je vous explique, mon beau-frère donc a fait partir ce matin le fauteuil. Je lui ai commandé un tout nouveau fauteuil. Voilà, ça va être trop bien. J'ai hâte de voir. Bon, ben ça y est, c'est parti. Ça arrive. Bon, ça y est, il est livré. Maintenant, on va se charger de déballer avec mon beau-frère. Et après, ben, je vous montre le canapé. Je suis trop contente. Je sais que ma soeur, elle va être trop contente. Bon, on a très de déplier, moi. De déballer avec mon beau-frère. Regardez ce que ça donne déjà. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait les jeux olympiques avec mon beau-frère. Mais on a réussi, regardez-moi ça. Et cette partie-là, on sait la replier. Ça fait vraiment une partie incroyable. Incroyable! J'imagine la tête de ma soeur. Hein, mon beauf? Ouf. Oh là 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 là. Donc du coup, on va le remettre normal, mon beauf. Ouais. Comme ça, je vous montre ce que ça donne. Donc ça veut dire que le soir, ben, vous pouvez déplier. Et là, on va replier. On vous montre. Regardez, c'est super facile. Donc il faut retirer juste là. Hop. Et voilà. Oh là là, ça va être trop bien les soirées ciné. Hein. Top. De piquer un t-shirt à ma soeur tellement que j'avais chaud. Ah ben voilà. On est installé. On a rangé tous les cartons et les plastiques. Ça mérite un apéro, ça, quand même. Mais il n'y en a pas. Ma soeur va bientôt arriver. J'ai hâte de voir sa tête. J'ai commandé le canapé sur Sofastyle. Je vais vous donner leur Instagram. Franchement, vous allez voir, les modèles et tout sont juste incroyables. Donc là, on est en train d'enlever les cartons avec mon beau-frère. Comme ça, ben, quand ma soeur va rentrer, ça va être nickel. J'ai vraiment hâte de voir sa tête. On attend. Tu vas dormir. Ah ouais. Alors, voyez, mais ça, j'arrive. Ça peut se péter une demi-heure. Ça, on ne sait pas ce qu'elle fait. Oui, elle arrive. Attends. Ouais. Elle a pas ses clés, elle vient de sonner. Ferme la porte, alors vas-y. On a enlevé le noir et on a mis celui-là. Ah, j'adore, il est magnifique. T'es contente? Oh oui, il est trop beau. J'ai Bon, ben voilà. Attends, j'ose même pas m'asseoir. Mais si, tu peux, hein. C'est un vrai, tu veux t'asseoir. Ça change, hein. Ça a grandi la pièce. C'est mieux, je trouve. Hein. Ah, j'aime bien la matière. Bon, ben voilà. Je suis contente, ma soeur. C'est ma petite surprise. Les amis, où j'ai commandé donc le canapé de ma soeur, donc Sofastyle. Je vais vous mettre donc leur Snapchat aussi. Donc franchement, n'hésitez pas à jeter donc sur Snap. En termes de livraison, c'est très rapide aussi. Quand c'est en stock, franchement, en Ile-de-France, donc sous 48 heures, vous avez donc la livraison. Ils livrent en Belgique, en Espagne, au Luxembourg, dans toute la France. Il y a zéro problème avec ça. Vous avez aussi le règlement en plusieurs fois, voilà, 10 fois sans frais. Donc, il y a énormément de choix donc, sur leur site internet. Il y a quand même toujours un truc à dire. Je réponds aux commentaires là sur Insta. Oui, moi je l'ai vu sur d'autres influenceuses, ce canapé. J'ai vu cette société-là. Je savais que ma soeur voulait changer de fauteuil, donc j'ai pas de code promo. C'est pas quelque chose, voilà. La livraison, ça fait 2 mois que j'ai commandé moi le canapé parce qu'il n'était pas de stock. Donc, c'est pas que je l'ai commandé en 48 heures, je l'ai eu. Ce qui est en stock, c'est livrable donc en 48 heures en Ile-de-France. Moi, c'était livraison en Belgique, donc ça a pris un peu plus de temps aussi. Voilà, donc c'est fatigant quoi. Mais l'important, pour moi en tout cas, c'est que ma soeur soit contente parce qu'elle voulait vraiment changer de canapé. Et voilà, donc j'ai fait une surprise et je suis ravie. C'est le but aussi de regarder les stories des uns et des autres. Quand on flash sur quelque chose, forcément, je vais voir. J'ai été jeter un œil et j'en ai parlé d'abord à mon beau-frère. Pour savoir si ma soeur allait aimer ce modèle. Et il m'a dit, écoute, elle a été justement voir un modèle comme ça ici en Belgique. Donc j'ai avancé la chose moi.
Et voilà, c'est comme chez Ikea, on a quasi toutes les mêmes couettes de chez Ikea, les lampes et j'en passe. Bon, on n'a pas de code promo pour le coup aussi, voilà. Alors, la petite histoire de Madame Bio, les girls. Donc Madame Bio, c'est une marque française qui travaille en collaboration avec une coopérative féminine marocaine. Ce sont donc des femmes qui fabriquent à la main leur totalité de leurs produits. Alors j'ai commencé donc avec leur savon exfoliant. Donc c'est un savon exfoliant doux, donc qui va éliminer les peaux mortes, ça va enlever donc les impuretés. Voilà, c'est vraiment un savon nickel. Après, j'ai appliqué donc leur huile miraculeuse. C'est l'huile de pépette de figue de Barbarie, 100% naturelle, 100% bio. C'est une huile qui est très rare dans le monde. Il faut donc une tonne de figue de Barbarie pour avoir 35 kg de pépins pour faire un litre. Donc n'hésitez pas, vous allez vraiment kiffer cette huile. C'est vraiment une huile miraculeuse. Vous avez un code promo de moins 30% qui est valable donc sur le site et c'est même valable donc sur les coffrets. Et vous avez donc la livraison avec Colissimo qui est offerte. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis la cœur, mon pote ami. Oh, j'ai la voix carrément du lendemain. Écoutez, je suis rentrée à la maison, il était 1h45. Qu'est-ce que je me suis amusée. Oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé hier. Je suis pas rentrée, ça va trop tard non plus. Mais on a rigolé. Franchement, c'était vraiment bien. C'était cool, c'était une bonne soirée. Vraiment. La buvette, hein. Ça, je suis pas non plus rentrée trop tard, mais j'ai un rendez-vous à 10h, j'allais me laver là. Après, je récupère mon fils à l'école à 15h30 aujourd'hui. Puis la piscine, puis ce soir, on va manger chez ma soeur. Elle a dormi chez ma soeur hier, ma soeur l'a déposée à l'école ce matin. Je me suis habillée, je vais aller à mon rendez-vous. En fait, franchement, comme je l'ai dit, ne me faites pas chier aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je réponds même plus, je bloque directement les gens. C'est incroyable de toujours avoir quelque chose à dire sur tout et n'importe quoi. C'est un truc de fou. Un truc de dingue, mais vraiment. Et en fait, là, j'ai une rage qui me monte. Et quand on me dit, arrête de dire que tu vis comme tout le monde ne peut pas. Je sais que tout le monde ne peut pas s'offrir un canapé. Je l'ai offert à ma sœur et je suis tellement fière, mais tellement fière. Parce que comme je vous l'ai dit, elle le mérite tellement, voilà. Je préfère offrir ça à ma sœur que d'aller m'acheter un sac à main de luxe ou aller m'acheter une paire de chaussures à je sais pas combien, etc. Enfin bref, je vais plus rien dire parce que ça sert à rien. Je vais aller à mon rendez-vous. Voilà.
Et le petit mot que Mélana a mis sur Instagram en story. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa story. Je suis entièrement d'accord avec elle. Je vous le dis clairement. Mais je suis à 100% d'accord avec elle. Voilà. Les amis, j'ai arrivé à mon rendez-vous. J'ai rendez-vous dans 2 minutes. Je vais lui expliquer ma tête, quoi. Je vais dire, je suis sincèrement désolée. Même ma voix, j'ai mal à la gorge pourtant. Je ne me rappelle pas d'avoir chanté hier. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça prouve qu'on s'est super bien amusé hier avec Romain et Pauline. Franchement, c'était trop bien. Oh là là, les amis, je suis KO. J'ai l'impression d'avoir fait la fête toute la nuit. Pas du tout, hein, parce que je suis rentrée à 1h30, 1h40 du matin. Mais oh là 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 là, là je crois que je viens d'utiliser mon quota de sortie là. Wow! Avant, j'enchaînais les soirées, pompé up et tout. Le Lord Matt, c'est plus du tout la même. Je vais aller récupérer mon fils à l'école. Puis après, je vais le déposer à la piscine. Puis je le rentre et je vais faire. Pardon. Je vais faire mes soins parce que je ne l'ai pas fait ce matin et je sens mon visage. Mais ce soir, on va manger chez ma soeur. Je rigole toute seule. Mais. J'ai mal aux jambes, les amis, vraiment, comme si j'avais fait un marathon. Je sais pas ce que j'ai foutu hier, je sais que j'ai dansé, mais c'est atroce. J'ai les jambes en feu. Et je suis rentrée qu'à 1h30 du matin, ça aurait été quoi si j'aurais fait la pitch à 5h du matin. Incroyable.